Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une tentative de drop d'items avec 11211 pièces d'or anciennes. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais dépensé à peu près 17 000 et je n'ai eu aucun orange. Pour le moment, c'est compliqué. Je vais vous parler en plus des légendes urbaines. Qu'on entend parler sur chaque atout avant de lancer tout ça. Donc pour le moment on peut pas dire que le karma soit trop avec moi. Même il est pas du tout avec moi. Donc si ça pouvait changer ça serait pas mal. Parce qu'en tout ouais je crois que j'ai dépensé 20... Non dans la totalité j'ai dû dépenser plus de 25 000 pièces d'or dans la boutique. Et je n'ai toujours pas eu d'orange. Toujours pas eu de rouge bien sûr. Bon ça... pas arriver non plus, c'est pas la fête à neuneu. Donc, dans les légendes urbaines de la boutique de chaque atout, la première et la plus connue, alors je sais pas si vous allez voir, je vous montre ça sur le live. On va quand même le faire, hein. On va le faire. Il y a cette différence, cette type, alors en anglais, je vous le traduis. Il y a cette différence, cette type de réponse différente. En fait, quand tu rentres dans la boutique de chaque atout te fait des petites phrases. Tu vois, tout le monde qui achète des équipements chez moi est toujours impressionné. Alors, celle-ci, c'est laquelle? J'imagine que c'est celle-ci. Can wait, non, c'est pas celle-là. Ah, mais il y en a plus bas. Totally can wait to see that. Non, c'est pas ça. Everyone that buy from, voilà, c'est celle-là. Everyone that buy from my store become a regular customer. Super la traduction, mais en gros c'est celle-là. Et en gros, si on a cette phrase, on a plus de chances d'avoir un casque gold ou plus quoi. Donc en fait, la meilleure des phrases, sachant que cette technique, alors je vais la dire jusqu'au bout, c'est quand on fait cette technique, on fait un tirage unique, genre juste un, et on ressort et on recommence à chaque fois avec la phrase. Non mais c'est à se tirer une balle. Donc moi, clairement, je le fais pas. Je ne m'amuse pas à faire ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre la meilleure des phrases qui en fait est Welcome to Chaka to Shop pour Any Gear. Donc là il suffit de cliquer sur les pièces pour avoir une nouvelle phrase. Tu ne trouves pas ce que tu veux, tu m'intéresses pas, tous les objets, difficile, difficile, te le là. Voulez-vous tenter votre chance? Non. Bienvenue, voilà, c'est celle-là la phrase. Ça c'est la phrase. Moi, je vous laisserai le découvrir, hein. Je vous mettrai ce document en dessous de la vidéo. Cette légende urbaine. Parce que c'est une légende urbaine, mais bon, il y en a qui aiment bien les légendes. Donc du coup, je vais prendre cette phrase-là, qui est « Welcome to Chaka to Shop » pour avoir tous les équipements. Voilà, bon, normalement, la légende dit que, voilà, c'est ça, ça augmente a priori les chances d'avoir un gold, mais bon, voilà, si tu te mets le doigt dans le cul et que tu fais l'avion, je pense que ça marche aussi. Donc concrètement on va quand même tenter ça. Après la deuxième légende urbaine quand même c'est de le faire après minuit parce que certaines personnes disent qu'il y a un reset de la quantité d'orange droppable par jour dans la boutique, donc il faut attendre minuit pour le faire. La dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai fait à minuit, ça m'a rien apporté. Comme d'hab. Donc voilà, il y a cette légende là. Et la troisième légende, c'est en fait de faire 10 tirages uniques et après de balancer les tirages x10. Et quand t'as un gold, tu sors, tu re-rentres. Ça, on va le faire. C'est pas trop compliqué. Donc dans la série, est-ce que t'aimes les chats noirs? Est-ce que tu passes sous des échelles? Ou est-ce que t'es du genre à retourner ton pain sur la table et à trouver que t'es malchanceux dans la vie? Ben voilà, si c'est bientôt, on va nous sortir, je sais pas, on va nous dire, bah attention, si t'éternues de la narine droite, t'as plus de chances d'avoir un rouge. Super. Donc du coup, on va lancer comme ça. J'ai bienvenue dans chaque atout, donc équipement en pièces d'or. On va tenter les plastrons comme le copain l'autre jour. Directement. Voilà, je fais 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. A partir de là, d'ailleurs j'ai oublié de mettre ça, on. A partir de là, on fait des tirages x10.
Ça commence bien. Ah, c'est bien ce jeu. Oui, un petit violet, je suis content. Voilà, pour moi, on n'a rien, un violet. Rien du tout. Je suis content de ne rien avoir. Alors que je vais vraiment rien avoir. Même s'il y a un gold, j'en fous quoi. Bon tirage en 11 000 pièces pour du vent. Ah, peut-être que si je me mets le dos dans les fesses, ça marche mieux. Hein. Ouais, place 30. Oh, quand même. Deux plastrons jaunes sur le même tirage. Bon, allez. Du coup, je sors de la boutique. Je reviens dans la boutique. Je reprends un message qui me plaît. Qu'est-ce que je vais tenter? Gants, bottes, casque, bottes. Je vais regarder, je vais essayer d'être un petit peu stratégique et de savoir ce qui drop sur les nouvelles zones. Donc ici on peut dropper les casques à 3006. C'est une zone que je pourrais farmer avec des copains. Alors on va pouvoir aller farmer ça. Mais c'est surtout les maps avec les items rouges qui m'intéressent. Je vais farmer les maps où il y a des items rouges. C'est autre chose. Bah, je peux faire les bottes. Il n'y a pas une map où il y a des bottes? Ah si, il y a cette map avec casque plus bottes, mais 4600. Allô. Allô. Du coup on a dit quoi? On retourne chez Katu. Retourne chez Katu. Non, c'est ça que je veux. Bienvenue à Chakatu. Bienvenue à Chakatu. Chakatu. Allez, donne-moi ta phrase. Ah, ça y est, on y est. Oui, teste le auto. Teste le même, plus rentable niveau vente thune. De quoi le cas? Tu veux dire le plastron? Désolé, ouais, je suis en même temps sur Twitch, hein. Ah, Chakatu le radinou. Tu claques une vidéo YouTube pour l'opening, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent le live? Tu veux que je fasse le plastron, toi? Toi, tu veux que je fasse le plastron, tu es. On continue sur le plastron. C'est ça que tu veux. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et 7. Et 8. Et 9. Et le 10e. Et on est parti. C'est le bon jeu.
Faut cliquer avec l'autre main par contre. Ah, c'est tout ça le truc. Attends, vas-y, je clique avec l'autre main. Je suis handicapé moi avec l'autre main. Alors. Ah, je galère. Une souris de droitier pour un droitier. C'est dans la main gauche. Merde, ça marche pas trop en fait. Ça marche pas du tout, ouais. Retire tes lunettes pour peut-être tu lootes mieux. Vous en avez d'autres comme ça là? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est rentable! Ah, pour raser la barbe, il faut donner des sous. Comme ça, je refais des chats à tout après. Oh mon dieu, c'est horrible, c'est terrible! Ah, le bon jeu quoi. Ah Jérôme, ouais, il dit qu'il a de la, qu'il a pas de chance, il a tout le temps de la chance. Oui oui oui. Ouais ouais. Voilà, voilà le chanceux là sur 30 000 dépenses de chaque atout, toujours rien quoi. Catastrophe. Mazel tov. L'auto-test. Oh, ça a rien changé. Que dalle. Et ça, ça fait pas mal au cul. Oh la vache, non mais j'ai vu. Y'a vraiment genre rien. Bah vas-y, je vais passer sur je vais passer sur les. Attends, c'est quoi qu'il me manquait? Je vais tenter des gants un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, le 11ème. Bon bah, merde. Moi les légendes, mon cul. Voilà, là, ce tirage. Ah, j'ai des cagoules. Mon gars, j'ai des cagoules. Comme ça, je pourrais aller mettre ma cagoule. Pour les glandes, pour les boules. Voilà, je peux te dire que j'ai les glandes et j'ai les boules. Cagoule ou pas cagoule. Ah putain.
C'est beau, hein. On aime les tirages comme ça. Ah, je suis pas couché là. Je jouerai mon stuff orange quand tout le monde y sera en mode rose, tu sais. Oh, trop bien, gold. Ah non, mais... Non, mais... C'est quoi ces tirages là? Allez, on ressort et on y retourne. Attends, j'ai fait la collection déjà. Ah là 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 là, j'ai fini les collectes. Les collections sont terminées. Et on y retourne chez Ketu. Ah merde, j'ai pas vu le message. On va prendre le message du plastron. On y retourne, attends, 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 on remet. Alors le plastron, c'est quoi? Armor. Try your luck. Allez, voulez-vous tenter votre chance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo à rallonge pour dire aux gens, si vous savez pas, si vous connaissez pas, vous voyez sur mon à peu près ici, ah, vous voyez ici, là, vous voyez mon curseur. Ici, il y a un code de renommée. Si vous le rentrez et que vous avez personne à partir du level 20, ça se rentre. À partir du level 20, en gros, ça vous donne 300 perles noires jusqu'au level 50 et plein d'autres items, plein d'autres objets qui vous permettent de up beaucoup. Il suffit de rentrer ce petit code en gros dans je crois que c'est renommé à droite ou dans ami, enfin je vous montre ça après. Pour ceux qui ne le savent pas, ça vous fait gagner beaucoup de récompenses totalement gratuitement. Je vous explique ça après. Voilà, là on continue à ne rien avoir, hein. Je pense que même s'il y a un orange qui drop, je serais même pas content. Tellement le tirage est naze. On va faire des statistiques. Et voilà, nous y sommes. 11 500 pièces pour rien. Il est fabuleux ce jeu. Pièces d'or insuffisantes. Tu vas rêver de l'orange. Moi, je vais rêver rien du tout, c'est un jeu de merde.
Donc ce que je vous expliquais, c'est ici pour le code de renommée que vous voyez ici au-dessus là. Vous allez dans relations, renommée de l'aventurier. Et je sais plus où ça se rentre. Je crois que ça se rentre ici. Je sais même plus d'ailleurs où c'est que ça se met. Non, c'est bien dans renommée de l'aventurier. Je crois que ça se rentre par là. Voilà. Et du coup ça vous donne pas mal de récompenses. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser. Sur ce, on arrête la vidéo là-dessus, sur ce fiasco total. Donc le fiasco, le résultat c'est 4 jaunes et combien? 5, 10, 13, si je dis pas de bêtises. 4 oranges et 13 violets. Le bon fiasco. Sur ce, passez une excellente journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo tuto. Ciao, ciao.